qui a sa valeur. Elle a dit que la valeur de cette femme-ci, c'est la valeur du diamant bleu, le diamant le plus cher au monde. Hein? Un diamant qu'on ne retrouve que sous les montagnes, qui est clair sous les montagnes là-bas. C'est moi, le diamant bleu. Et Maléma Pépitu. Je vois des personnes qui sont en train de jacasser. J'ai dit que quand moi, je me mets sur quelqu'un, je te lance la dépression. C'est la dépression un tour. C'est-à-dire, je ne négocie pas. Parce que quand je suis avec des gens, je suis avec eux avec un cœur. Donc quand je vois que tu es avec moi par intérêt, ou alors tu voulais quelque chose sur moi qui n'a pas marché, c'est la dépression qui te prend. Tu arrives, tu passes pas la musique. Que t'as arrêté, non. Kanaï m'a dit que tu dormais, non. Kanaï m'a dit que tu dors. Donc je dis, Pablo le doc, quand on dit qu'un homme, je vais être légèrement vulgaire, qui a des couilles, qui est un homme, un mâle. J'étais rendu zéro. L'homme-ci, ça c'est un homme, un mâle, un vrai garçon, un mâle dominant. Vous voyez seulement comment il devient teubé, non? Dès qu'il fait seulement que il fait un peu, je dis que bon, je me fâche. Ma double belle se connaît. La mentalité était frère. Si j'ai fait comme ça là, comme celle que j'ai demandé de faire les tests, il va m'avaler. J'ai ce qu'on appelle un homme. Tu vas parler. Dis ce que tu veux. C'est moi qui suis que tu vas trouver sur ton chemin. Que ce soit ma fille, mon mec. S'il décide, ma fille est déjà majeure, si elle décide qu'elle te porte plainte, elle te porte plainte pour diffamation. Elle est majeure. Et comme je n'ai pas envie d'associer l'image de mon mec et de ma fille via les réseaux sociaux du n'importe quoi là, je suis là pour répondre pour eux. Je t'ai demandé un seul truc. Jusqu'à l'heure actuelle, je te domine encore. Je t'ai demandé de m'amener les tests de paternité. Pour l'instant, je ne suis pas en train de partir très loin. Pas des FAO. Viens nous amener les preuves comme quoi tu es le père des enfants là. C'est tout ce que je te demande. Tu luttes, tu bagarres, tu t'agites trop. Tu vois un peu, non? Tu t'agites beaucoup. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Le Dieu que nous tous nous servons, parce que je pense que vous avez aussi un Dieu que vous servez. Le Dieu que nous tous là, nous servons là. Il nous montre toujours, c'est-à-dire, il finit toujours par mettre le dos de mes ennemis à terre. Ce monsieur, merci à toutes ces personnes qui coupent ces vidéos. Merci beaucoup. Parce que hier, quand mon neveu pardon, excusez-moi hein. J'ai des périodes comme ça que quand je bois quelque chose de quand je bois, ça entre seulement bloc. Je vois mon neveu d'abord qui est en train de parler avec sa soeur Canaël. Après j'entends seulement qu'on dit que wow, Kanaï n'est pas. Coucou Ndolé Miondo, je te fais un gros bisou. Ma sœurette. Ma Mounjam. Parce que maintenant là, c'est les Bayamo. Ma Mounjam. Ouais, venez. Donc, j'entends seulement que, oh, on dit que
ma fille a appelé. C'est même ridicule et ça devient un peu, ça dit, c'est trop bas déjà. Ça fait, moi j'aime déjà pitié, ça fait un peu pitié. Que je ne devais pas lui parler ça, mais je lui ai dit que mon bébé, on dit que, elle dit, mais je t'avais dit ce monsieur, je le sentais pas moi. Dieu m'entend parler au nom de Dieu. Elle me dit, mais maman, toutes les personnes que j'étais prévenue sur la toile, regarde aujourd'hui, la preuve. J'ai dit, ma fille, tu as raison. À l'heure, j'ai mon oncle, je dis, mais ma fille, tu as raison. Elle me dit, toutes les personnes que j'étais prévenue, regarde, ce monsieur, moi, je ne le sentais pas du tout. Moi, je ne sentais pas. Je ne sentais pas du tout. J'ai dit, tu veux que je te dise quoi alors? Pas pour le doc. Tu ne seras jamais un homme comme l'homme avec qui je suis. Et jamais de la vie, je dis bien au grand jamais, il viendra s'asseoir pour dire que même parler que dit non, je ne donnerai pas cette occasion là que mon mec vienne sur les réseaux sociaux pour parler des futilités. D'accord, moi-même je peux te traiter, la preuve, je suis en train de te traiter, tu deviens fou. Montre-nous. J'ai demandé à ta femme d'aller faire les tests du VIH. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Je vous ai lancé deux défis. Aucun n'a encore été relevé. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai les galons. Je vous domine encore. Oui, quand vous allez me relever ce défi-là, mon mec viendra vous répondre sur les réseaux sociaux. Mais tant que vous ne relevez pas ça, il ne viendra jamais. Ni mon enfant, ni ma fille ne viendra jamais dire que oh, non, voilà, c'est faux. Non. Les deux sont là, ils m'entendent parler ici. Quand on dit que Dieu donne souvent le fouet à certaines, t'as dit, quand on dit, il est comme le monsieur là, qui a le nez qui avalisse tout son visage là, le visage qui tombe comme ça là. Il a dit que ma fille ne me parlait plus, que ma fille ne venait plus ici. Dieu a fait. L'enfance m'a annoncé depuis la semaine dernière qu'elle devait venir. Elle avait deux jours de repos. Elle a fait des courses pour sa soeur. Comme moi, je ne veux pas partir chercher, elle va venir avec. Dieu a fait l'enfant, elle. Vous voyez, quand je vous dis souvent que quand on parle de ma chose, venez me demander. Venez me demander. Qui vous avez vu conduire aujourd'hui? Ce n'est pas Canel. Et je tiens à vous rappeler que ça fait 3 ans qu'elle a son permis. Hein. Et la personne qui l'a amenée à l'auto-école où elle a eu son permis, là, c'est Thierry. Hein, que vous parlez. C'est un homme que, quand il touche quelque chose, il aime faire progresser. Elle a son permis, ça fait 3 ans qu'elle a eu son permis. D'accord? Mais toi, Pablo le doc, ta femme, même démarrer, elle ne sait même pas démarrer. Même démarrer, ta femme ne sait même pas démarrer. Pendant ça, tu es entré en dépression profonde. Parce que là où je t'ai mis là, si tu ne me ramènes pas les deux premières choses que j'ai demandées, d'abord, c'est d'abord ça que je te demande d'abord. Quand tu me ramènes ça, là, on pourra parler. Tu me ramènes ça. Mon mec va venir te répondre. Là, tu seras un homme. Parce que pour l'instant, tu es une femme. Et mon mec ne discute pas avec des femmes. Tu vois un peu? Mon mec, il ne discute pas avec les femmes. Yoma yon telebe. Didi yon telebe. Ton Didi ne se lève pas. Tu dis que mon gars me prend derrière. C'est toi qu'on prend derrière. C'est parce que le gars a peur de venir témoigner. Il a dit que tu es malhonnête et que tu es très dangereux. Le gars qui te prenait là, que tu as fait, on l'a rapatrié au Cameroun. Je vais tout faire. Je vais tout faire. Le gars là va venir témoigner. Laisse-moi te dire ça. Le pays là, on a faim.
Le gars là va témoigner ici, même si ce n'est pas à visage découvert. Il va témoigner comment est-ce que lui, toi et lui, vous vous prenez. Et il partait vendre pour toi. Il partait vendre le whey pour toi. Il m'a même dit que méfie-toi de lui. Il est capable de payer contre ton poison. Tu dis que tu vas me courir à quoi? Je marche à pied. Tu vas me courir à quoi? La voiture. Moi, je marche à pied. C'est ta femme que je vais écraser. Je vais monter moi sur elle, vroup. Je rentre derrière. Je reviens encore, vroup. C'est ta femme qu'on va écraser. Je marche à pied. Pourquoi tu m'écrases? Mais comme un John Moore. Je marche à pied. Il faut dire ça à ta femme. Il faut dire ça à ta mère porteuse là. Ta mère porteuse. Le gars Baranté t'a bien. Mais Baranté, pourquoi j'ai fait ça à mon frère? À mon oncle? Pourquoi les Baranté ont fait ça à mon oncle? Maman? De façon que le gars s'est arrangé avec les Baranté. Pourquoi ce n'est qu'un Baranté que tu as préféré faire l'enfant avec? Mon couleur. Il fallait prendre mon manque, même un gars à ça. Jusqu'à il a tout fait pour que son frère reconnaisse l'enfant. Toi, tu es venu parler aux gens. Tu as en train de lever les enfants des gens. C'est pas ton tes enfants. Je t'ai dit que amène-moi les tests d'ADN. Quand tu vas m'amener les tests d'ADN, mon mec va se mettre aussi sur les réseaux aussi. Parler aussi. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas les tests d'ADN là, ou t'as bête au ou t'as bête au. Tu as compris, non? Pas de FAO. Tant qu'il n'y a pas les tests d'ADN là, tu n'es rien. Donc tu es sûr que quand tu vas venir parler, et c'est vous qui êtes toujours les premiers à dire que vous allez partir porter plainte aux gens. Vous êtes toujours les premiers à pourquoi vous aimez trop parler de plainte comme ça? Pourquoi vous aimez trop parler de plainte? Vous pouvez me dire pourquoi vous aimez trop parler de plainte? Pas de FAO. Ma fille, elle est majeure. Tu as parlé d'elle sur les réseaux. Elle peut te porter plainte. Elle est majeure, vaccinée. Même son tonton peut te porter plainte. Son père est français. Son père est ici. Ils peuvent te poursuivre pour ça. Pour diffamation. Vous aimez souvent sortir. Tu vois, moi, tu es en dépression. Tu es en train de perdre derrière la boule. Tu perds la raison derrière. Tu dis qu'il y a n'importe quoi dans ta bouche. Malema Perpetue, alias Diamant Bleu, te dit que va faire les tests de paternité. Toi, tu commences à tirer, c'est-à-dire, tu parles de des choses qui n'ont pas de sens. On vient te rabaisser dans ton live même, d'après ce que j'ai appris. Jusque-là, tu continues, la bêtise insiste. Moi, je ne veux plus t'insulter. Jusqu'à ce que tu vas me sortir le test de paternité. Quand tu vas me sortir ça, et ta femme va aller faire les tests du VIH. D'accord? Là, je pourrais maintenant encore vraiment me concentrer sur toi. Pour l'instant, je suis en train de partir au pays. Allez faire un tour dans mon PayPal, pardon. C'est comme ça qu'il faut fouetter le type là. Nous avons une soirée le 27 juin. Le 27 juin, nous avons une soirée ici, sur la place parisienne. Hein? Je voudrais que l'association Bilama vienne nous expliquer. Comment faire pour réserver les tables? Parce que j'ai des gens qui ne font que m'appeler. Hein? Je veux qu'elle vienne m'expliquer comment est-ce qu'on va faire pour réserver les tables. Et? Entre temps, il y a un monsieur que j'ai fait maintenant, grâce à moi, il s'assoit. Parce qu'il ne peut plus tenir. Je l'ai donné, je l'ai lancé la dépression en live, tout le monde a vu. Il peut tenir comme moi là. Il peut tenir. Il peut m'enlever ses lunettes. Les yeux coulent déjà. Ses yeux sont en train de pourrir devant vous. Vous ne voyez même pas. Vous êtes là, vous rigolez. En tout cas, j'ai confiance. Ngombo Mindi, prends le bisou, si. Tu es la meilleure. Rends-moi le type là, tebe. Parce que moi, j'ai fini avec lui. Toi, rends-le encore maintenant moins que rien. Rends-le zézé. Rends-le gogol. Parce que c'est toi qui le tiens là-bas, c'est toi qui dis assis, il s'assoit. Si tu dis lève-toi, il va se lever. Au moins, ton vals que tu as pleuré pendant longtemps, le vals qu'il a cassé chez toi là, il paye ça maintenant, tu le rends ridicule comme tout. Ouais. Ouais. Je vais appeler mon cousin qui va venir témoigner. Il faut qu'il nous parle un peu de la vie de ta femme.
Il va nous parler de la vie de ta femme. À John Moore Bloodock. À John Moore Defao. Tu dis que tu vas faire quoi, c'est elle? Même les gens du CERN, si ils voulaient te rendre service, ils seront fatigués de toi. Hein. Parce que tu deviens ridicule. Comment tu peux le dire? Tu as les relations. Oh, le CERN, le CERN. Attends, quand c'est bon, envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs, pardon. Envoyez les cœurs à votre main. Envoyez les cœurs à votre main. Vous savez quoi? Allons là-bas, c'est Pépé. Tu m'allais là. Allons de l'autre côté. Chez les enfants de maman Pépé. Allons chez les enfants de maman Pépé. Je veux rentrer le type là un peu. Je veux rentrer.